Le pain, c'est l'une des plus belles recettes de l'humanité. Recette de l'amitié, de promesses et de festins, c'est beaucoup plus qu'un aliment. C'est la base des civilisations, l'espoir d'un futur. Le pain, c'est la faim, la foi, la force, la vie. C'est aussi une espérance. Il transforme l'homme en compagnon, celui avec qui on est prêt à tout partager, tous les risques et un bout de pain. Il y a 40 ans, il y avait des meuniers et il y avait des boulangers. Les uns transformaient le blé en farine, les autres transformaient la farine en pain. Chacun fait bien son métier, mais chacun de son côté. Autour d'eux, le monde bouge, l'industrie bouscule les traditions et les entreprises artisanales. C'est alors qu'un jeune meunier de Marseille se dit qu'il faut changer cet état d'esprit s'il ne veut pas disparaître. Il croit dans les valeurs artisanales, dans le savoir-faire des boulangers, dans le pain de qualité. Il croit aussi dans l'association des gens de bonne volonté. Il convainc d'autres meuniers, dont certains étaient ses concurrents, de devenir ses compagnons professionnels afin de mieux accompagner les artisans boulangers. Ensemble, ils créent Unimi. C'est l'ancêtre de Banette, l'union des mies de pain. L'image est belle. Vient le succès. Banette, c'est ça. C'est une folie. Croire que des entreprises différentes, concurrentes et indépendantes peuvent partager un projet commun et avancer ensemble. Banette, c'est aussi une empathie. C'est penser qu'avec l'autre, nous serons plus créatifs, plus courageux, plus solides. Que de la diversité des parcours, des expériences et des exigences émergera plus de richesses communes. Banette, c'est surtout une utopie. L'utopie géniale et contre-intuitive que, bien que différents, nous partageons tous le même intérêt. Servir tous les amoureux du pain avec qualité et innovation. Une utopie, ça sert à avancer, à rendre possible ce qui semblait impossible. Ils étaient, Banette, des rêveurs associés autour de l'excellence. Nous, nous sommes ceux-là aujourd'hui, rêveurs à notre tour, et porteurs d'une idée qui ne meurt jamais. Nous et Banette.